Avant de vous lancer dans la rédaction d'un article, il faut vous assurer que le sujet que vous avez choisi a sa place sur Wikipédia. C'est l'objet de cette vidéo. Wikipédia est une encyclopédie. Ça paraît bête, dit ainsi, mais c'est pourtant l'essentiel, car cela signifie que tous les sujets n'ont pas leur place sur Wikipédia. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un article sur votre boulangerie de quartier, sur votre entreprise de plomberie ou votre cabinet d'avocat, à moins qu'il ne soit connu, très connu. Mais comment déterminer ce qui a sa place sur une encyclopédie et plus précisément sur Wikipédia ? Les contributeurs, au fil du temps, se sont mis d'accord sur des critères. On les appelle les critères d'admissibilité des articles. Les Wikipédiens les nomment également souvent par leur acronyme CAA. Ces critères, qui changent d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre, permettent de vérifier qu'un sujet est notable dans son domaine. Par notable, on entend un sujet reconnu ou remarqué. Wikipédia ne créera donc jamais la notoriété de quelqu'un ou de quelque chose de peu connu, contrairement à un journal par exemple. C'est la notoriété préexistante d'un sujet qui rendra celui-ci admissible sur Wikipédia. Ainsi, il ne suffit pas de pouvoir vérifier à l'aide de sources qu'un sujet existe pour qu'il ait automatiquement sa place sur Wikipédia. Même si des sources prouvent que votre cabinet d'avocat existe, il n'est pas admissible pour autant. Par ailleurs, l'admissibilité du sujet est indépendante du contenu de l'article. C'est-à-dire que votre article peut être extrêmement bien rédigé, sur un ton neutre, avec des sources fiables, mais que le sujet sur lequel il porte soit hors critère. Autrement dit, vérifiabilité des informations du contenu ne signifie pas nécessairement admissibilité du sujet. Mais, me diriez-vous, si j'étais vraiment en face de vous, quels sont donc ces fameux critères d'admissibilité ? En fait, il y en a de deux sortes. Tout d'abord, il y a les critères généraux. Ils s'appliquent à tous les sujets, à tous les domaines, sans exception. Cela signifie qu'il suffit qu'un sujet respecte un des critères généraux de notoriété pour qu'il soit admissible. Les voici. Le sujet doit avoir été l'objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeur ou d'au moins deux articles ou émissions espacés d'au moins 2 ans dans des médias d'envergure nationale ou internationale. Ou bien alors être mentionné dans une encyclopédie de référence, Encyclopédie Universalis, Encyclopédia Britannica, etc. Dit autrement, pour qu'un sujet soit admissible, il faut qu'il existe plusieurs sources secondaires consacrées au sujet, distantes dans le temps. Et par sources secondaires, on entend des sources qui fournissent une analyse sur le sujet et, très important, qui soient indépendantes du sujet. Autrement dit, le site officiel d'une association n'est pas une source secondaire sur cette même association. Ces critères généraux sont souvent appliqués à la lettre pour des sujets contemporains lorsqu'il y a un risque de promotion ou d'autopromotion ou lorsque le sujet touche à l'actualité et que la pérennité de sa notoriété est incertaine. A contrario, ils sont appliqués avec plus de souplesse pour des sujets historiques et factuels tels qu'une œuvre d'art ancienne, un massif montagneux ou bien alors une ville. Prenons deux exemples fictifs pour voir comment appliquer ces critères. Madame Dupont, avec un T, est chef d'une entreprise dans le domaine informatique. Elle est brièvement mentionnée dans 2 articles de presse, l'un du journal Le Monde, qui listait une dizaine de startups innovantes, et l'autre du journal Les Échos, consacré à son entreprise. Les 2 articles sont publiés sur 3 ans d'intervalle. Sont-ils suffisants pour rédiger un article sur Madame Dupont dans Wikipédia ? Non. Certes, Le Monde et Les Échos sont bien des journaux d'envergure nationale. Mais les 2 articles ne sont pas consacrés entièrement à Madame Dupont. L'un ne fait que l'évoquer et l'autre est consacré à son entreprise. Deuxième exemple, Monsieur Dupont, avec un D, est un archéologue du XXe siècle.
Un ouvrage, publié aux éditions Actes Sud, lui a été entièrement consacré par un collègue archéologue et ses travaux de recherche ont été cités à plusieurs reprises par d'autres archéologues dans des revues spécialisées. Ces sources suffisent-elles à rédiger un article sur M. Dupont ? Oui, la seule existence d'un ouvrage publié à compte d'éditeur qui lui soit consacré suffit à le rendre admissible. Bien que ces critères généraux sont très souvent utilisés, ils peuvent s'avérer inadaptés, trop imprécis ou trop restrictifs. C'est pourquoi il existe une seconde sorte de critères d'admissibilité, souvent plus précis, les critères spécifiques. Eux aussi ont été définis par la communauté. Il existe des critères pour les artistes, pour les entreprises, les œuvres musicales, les personnalités politiques, etc. Le raccourci vp2.nda a recopié dans la barre de recherche de Wikipédia liste l'ensemble de ces critères spécifiques. Vous trouverez aussi un lien vers ces différents critères en dessous de cette vidéo. Je vais vous présenter maintenant un ensemble de critères spécifiques. Voici ceux pour les artistes visuels, peintres, sculpteurs, etc. Ils doivent être représentés dans les collections d'un musée reconnu ou avoir réalisé au moins 2 expositions personnelles critiquées ou présentées par des médias nationaux, télévision, radio, presse. En théorie, donc, il suffit que votre sujet réponde soit aux critères généraux, soit aux critères spécifiques, s'il en existe pour votre sujet, pour être admissible. Cependant, les critères spécifiques ne constituent pas une garantie absolue d'admissibilité. Dans tous les cas, le sujet doit répondre au premier principe fondateur de Wikipédia, qui déclare que Wikipédia est une encyclopédie. C'est évidemment sujet à interprétation, d'où l'existence de critères pour préciser un peu cela. Mais gardez à l'esprit que dans les cas non évidents, c'est la communauté qui jugera collégialement si un sujet est admissible ou non. Maintenant que vous connaissez l'importance des critères d'admissibilité, à vous de jouer. Vérifiez attentivement que votre sujet est admissible. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas toujours évident à faire. Même les contributeurs et les contributrices expérimentés peuvent avoir des doutes. Donc, si vous avez un doute sur votre sujet, surtout demandez leur avis à des contributeurs expérimentés avant de vous lancer dans la rédaction de votre article.